Moi, je pense, j'ai toujours pensé que c'était trop orienté en direction de quelques individus et que la couronne aurait dû prendre, comme je leur ai suggéré lorsque le rapport BST est sorti, aurait dû prendre une approche plus globale et regarder tous les facteurs qui ont contribué à cette tragédie, ce qu'ils n'ont pas fait, mais ce que les jurys ont comme apprécié. On voit ça dans les dernières directives du juge. Ça fait 4 ans et demi ou 5 ans maintenant qu'il porte ça sur ses épaules. Je pense qu'il est très soulagé. Il est content de tourner la page parce qu'il y a d'autres chapitres qui nous restent, évidemment, les fameuses accusations fédérales et la poursuite civile aussi qui reste au-dessus de sa tête. Mais ce chapitre-là, je pense, était la plus importante pour lui. Et il est extrêmement content d'avoir mis ça derrière lui. Ça a été dur, ça a été long. Mais maintenant, c'est terminé. J'espère juste qu'on puisse facilement tourner la page. Et puis, retourner dans notre anonymat d'avant le 5 juillet 2013. Merci.